Ouverture du vlog, bonjour à tous. Nous sommes jeudi. Nous sommes à la pompe à Serville. Nous partons à l'aventure. On en profite parce que je crois que c'est le dernier jour où il fait ça va. C'est pas trop étouffant. Et à partir de demain, ça repart dans des délires. Je n'ai pas commencé mon traitement parce que je le commence aujourd'hui, mais je le commence plutôt ce midi. Parce que le matin, il faut éviter trop près de café et tout ça. On part où, bébé? Je ne sais pas. Et ça, c'est cool. Évidemment, je vous emmène. Ouest, sud-ouest. Ok. On tourne en rond depuis tout à l'heure. Bon, au final, on a décidé, parce qu'à la base, on voulait, attendez, à la base, on voulait manger dans un petit resto, un petit truc rapidement. On n'a rien trouvé, il est déjà 13h et on n'a pas trouvé de truc encore ouvert. Du coup, on va aller dans un Super U, on va acheter des choses à grignoter et je pense que on va pique-niquer. Enfin, bon, on fait un petit stop au pipi room. Ah mais je vous ai pas dit, nous sommes dans le Loir-et-Cher à Mondoubleau. C'est une expédition les amis. Mais c'est que les mecs là bébé. Non, à droite, il y a une porte. Là, la petite porte là. C'est fermé à clé. Non, là. Ah, ah là, ouais. Tu rentres et puis il y a une porte. Ah oui, tiens, en parlant du look, Eric ce matin, il me dit, il me voit habillé comme ça. Et il me dit, ah, oh, tu me fais penser à une nana sur... Non, pas une nana, je t'ai dit. Si, tu m'as dit sur... À une, tu me fais penser à une nana sur Internet. Alors, je me dis, ah ouais? Quoi, non? Là, je t'ai dit, tu me fais penser à Olivia Newton-John, tu regarderas sur Internet. Il m'a jamais dit non. Je lui ai dit, t'as pas plus récent comme truc. Bon, c'est très sympa, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté grease quand même. Ouais, peut-être, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas eu d'effort de fou non plus. Hein. Go to the Super U. Attends. C'est pas fou là. Bon, c'est un petit petit. Après, on va pique-nique, non? Oui. Oh, belle chemise. Oh, ce fut un fail. On a roulé. On cherchait un petit coin sympa. On n'a pas trouvé. Donc là, on se pose. Il est 14h10, genre. Et puis, on va manger. Et après, on rentre. Oh, c'est joli. Tu pourras me prendre en photo tout à l'heure? Avec les champs? Oui, bien sûr. C'est toi qui as pris. Vico, ça c'est quoi? Ah, tu m'as pris ça? Chèvre chaud et herbe. Comme ça, c'est pour toi ce soir. Hein. Ouais. Moi, non, c'est pas moi ça. Ah, toi, t'as pris du haut de saumon, d'accord. Moi, j'ai pris. Ah, celui-là. Jambon supérieur comté. Allez, tac, tac. Impeccable. Oh, ça va, c'est joli quand même. Ça sent fort la bouse de vache quand même. Hein. Mmh. Ah! C'est particulier. Mmh. J'ai envie d'un café là. Ouais. Ah, on s'est pris un dessert. Oh. Il est où? Ah, ça aussi, mais ça c'est pour demain matin. Il avait l'air pas mal parce qu'il n'y avait pas de pain sportif. Du pain. Bâtard. Bâtard. Aux figues, c'est ça? Oh, figues. Ouais, mais il y a marqué bâtard. Oui. Ah ouais? Oh là là, c'est une éternité. Sneakers. Excellent. On est rentré à la maison, il devait être 15h, on a bu notre petit café. Je parle pas trop fort, il y a un bébé qui va être dedans, vous le voyez derrière. Là, je vais partir en ville, je vais aller dans une boucherie. Je n'y vais jamais, parce que vraiment, c'est la mort des petits commerçants dans les centres-villes. Je parle pas à Paris, je parle vraiment dans les villes de province. Quand on voit forcément avec les Leclerc, les centres commerciaux, où tu as tout alentour. On oublie. C'est pour ça que moi, de temps en temps, quand même, je vais dans la librairie, une petite librairie très sympa en centre-ville. Je me force quand même, plutôt que d'aller tout le temps ou à Leclerc ou sur Amazon, même si oui, des fois, je commande sur Amazon quand j'ai vraiment besoin d'un truc en express. Mais ce genre de choses, voilà, le boucher et tout ça, même si en plus, les bouchers, il y en a de moins en moins. Le foie de veau, bah voilà, pour ma problématique, parce qu'il semblerait que de prendre même un foie de veau une fois par semaine, ça compte quand même, c'est un très bon apport, c'est un très bon apport en fer. Donc, je mets tout en place pour. Et puis, quoi d'autre? J'avais 2-3 trucs à faire en ville, donc voilà. Mais on va aller voir quand même le petit bébé qui fait tout. Ah, aussi, avant que je n'oublie, vous l'aurez peut-être vu, mes cheveux, deuxième shampoing avec le métal détox, le soin, le machin, et même l'huile, là. Effectivement, l'huile, elle est canon, elle n'est pas du tout grasse. Et je trouve qu'il y a un joli rendu. Enfin, mes cheveux sont assez lumineux. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup dodo, celui-ci, sur la télécommande.
Tu as les feufesses sur la télécommande, mon bébé? Mais t'es le chat le plus beau du monde, toi. Je te reconnais. Attends, on va enlever ça. Je ne suis pas allée chercher mon foie de veau. J'ai pas eu le courage, je me suis posée. J'irai demain matin, c'est pas grave, j'ai plein de choses à manger demain matin et j'en profiterai pour faire les courses que je devais faire également. J'ai envie en fait de... parce que finalement j'ai pas trop de vacances moi dans l'année, je peux pas m'octroyer de trop de vacances non plus. Je pars comme ça un jour ou deux, c'est quelque chose que j'aime bien d'ailleurs, partir comme ça un ou deux jours plutôt que de faire du 2-3 semaines. Donc je m'octroie des petites pauses comme ça pendant 2-3 heures, tu vois, je laisse mon esprit vagabonder et j'ai l'impression que ça me recharge. Et là c'est ce que j'ai fait entre le moment où je vous ai quitté, la phase avant et là. J'ai un peu scrollé hein, sur les réseaux bien sûr. Mais j'étais en mode, Eric est descendu, il est aussi un peu chlasse que moi. Il commence à me parler, il finit pas sa phrase, il fait je ne sais plus ce que je voulais dire. Je crois qu'on est tous KO. Là je vais faire un petit post sur Insta pour la boxe. Parce que comme je le disais, nous sommes le 6 juillet et c'est jusqu'au 10 juillet. Et vu le contenu, enfin, je sais très bien que beaucoup vont se dire « Waouh, je la voulais » une fois que vous allez la voir un petit peu partout. Et moi, je ne fais pas de stock, donc ce ne sera pas possible de vous la prendre en fait. Et voilà, donc je voulais vous prévenir. Je préviens en fait sur les réseaux qu'il ne reste que quelques jours jusqu'au 10 juillet. Autant dire que ça va aller très vite. Vendredi, on est le lendemain. Les 11h30, ça tape, ça tape. Je vais chez le boucher en ville, chercher ma petite tranche de foie de veau. Je pense que j'irai à l'épicerie à côté pour du persil dessus. Je crois que c'est en plus une source de fer. Et je vais pas trop traîner, vu la chaleur. Ah si, j'avais oublié. J'ai mon gratte-gratte là, que je me traîne dans mon sac depuis un moment. Qu'on avait acheté le 21 juin dernier. Il est hors 10 euros. Je vais en reprendre. Tiens, donne-moi ça. Je viens de rencontrer ma maman et il faut que je vous dise quand même quelque chose. La boucherie, elle est fermée et elle vient de me dire ça fait un an. Gros fail. Mais il y en a une autre apparemment. Et donc, en fait, elle me dit, tu peux me le porter jusqu'à la voiture. Allez, avance. Allez, Nicole, avance. Effectivement, c'est pas gagné, ça. Là, je suis passée à l'épicerie. J'ai trouvé du persil, 2-3 petites choses. Je me suis rappelé l'autre boucher. Je crois qu'il est tout nouveau et j'y suis allée. Et il est très bien, très bonne réputation. Moi, j'y suis allée pour du traiteur. Donc finalement, ça se goupille plutôt bien. Je vous explique pas la chaleur, vraiment. Ouh. Maman, elle a eu chaud, mon Jackie. Non, descends, s'il te plaît. Quelle heure on a eu fait ? Descends. 29. Je pense qu'au soleil, il devait faire 35. Attends, lunettes. Donc, il ne fait pas de foie de veau. Il m'a expliqué que l'été, il n'en faisait pas parce que c'est quelque chose qui ne se tient pas, qui noircit. C'est très fragile. Bon, donc je lui ai demandé un équivalent. Il m'a dit un steak. Donc, j'ai pris de la poire. Je ne connaissais pas. Quelque chose de très tendre. J'en ai pris deux. Et j'ai pris aussi deux, trois petites choses. Des pommes dauphines. Mais il m'a expliqué, je lui ai dit pour deux personnes, je lui ai dit ça fait pas beaucoup. Il me dit si, elles sont denses dedans. C'est vraiment de la patate et t'en manges deux, genre... Mais tu t'arrêtes ? Ça va, Jack, c'est gentil, gentil. Oui, il m'a dit que c'était très copieux, donc on en aura deux chacun. Je vais vraiment pas souvent, mais j'adore les petites perles de mer, comme ça. Ça fera une petite entrée. Je voulais de la feta à l'épicerie, il n'en avait pas, pour aller avec le melon que je me suis acheté, ça je pensais pour ce soir. J'ai trouvé de la burrata et ça j'adore. Par contre, le persil ça se vendait comme ça, sachant qu'Eric n'en mange pas. Je vais voir. Parce que pour moi toute seule c'est chaud. Tu aimes le persil, mon Jackie ? Et ceci, voilà. Et c'est drôle parce qu'en général, aller chez un boucher, moi c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à me remuer et à m'écœurer. Mais alors là, pas du tout. C'est très propre, très clean, ça donne envie. Ça fait plaisir. Je lui ai dit que je pensais revenir assez souvent. Ouais, je vais me faire ça régulièrement. Il y avait du boudin noir, bien sûr. Ouais, ça va être cool. Le tout, c'est d'en manger au moins une fois par semaine. J'avais oublié. J'en ai repris un. Ça va durer longtemps, cette histoire. Je gagne sur point. Et ben, ça commence fort. 20 euros. Ah non, mais c'est pas mal du tout. Si le diamant pèse plus lourd que le saphir, ce qui est le cas, 20 euros. Nous sommes à 40 euros. Et là, j'ai le symbole, 10 euros. Ça nous fait un 50 euros.
Bah, c'est cool. J'y vais. Très bien, t'as appris des trucs pour moi? C'était pas prévu. Flemme, mais j'ai pas le choix, il faut que je ressorte. Notamment pour Jack, parce que je vois qu'il est en manque d'herbe à chat. Oula. Et il commence à manger les végétaux de la maison, végétaux qu'il n'y a pas en fait, c'est des trucs un petit peu en effet plantes, mais c'est pas des plantes. Quand il commence à monter là et à manger ça, ce qui n'est absolument pas une plante, c'est qu'il faut que je lui en achète. Je vous montrerai l'engouement qu'il a quand je vais poser l'herbe à chat en rentrant. Il me faut également des choses pour le boulot, des petits stabilos, post-it. Je les ai ruinés les stabilos, ils ne fonctionnent plus et j'en utilise beaucoup pour mon taf. Margarine, pain pour le matin et puis mes grenades, je vais en profiter. Trois endroits différents. Et puis il faut que je fasse le montage de ce vlog. C'est formidable. Il est 15h. Ah, en fait, c'était hyper bon. Le boucher m'a dit, vous allez voir, c'est tendre. C'était très tendre. Et les pommes de terre, effectivement, deux suffisaient amplement. Très bon. Il est 15h. Il faut que je sois rentrée grand max à 16. Oh! Ça brûle les fesses. J'ai vraiment l'impression, mais vraiment particulièrement en ce moment, de ne faire que payer. Mais beaucoup plus que d'habitude. Bon, bah, y a l'URSSAF, il y a les impôts, il y a tout ça, mais même plein de choses que j'avais pas l'impression de devoir payer avant. Des grosses augmentations, des... C'est chiant quand tu bosses, mais t'as l'impression que tu fais que ça. Payer. Bon, je vais chez Zéo Plus. Alors, elle est pas jolie la fille avec son herbe à chat et son sac à caca. J'ai des petits sacs pour sa litière. La litière. Je vais filer, je vais aller à Leclerc. Vu la chaleur, il est 15h. Je pense qu'il n'y aura pas trop de monde. Ça y est, je sais plus où je suis garée. Bonjour, tout le monde me regarde. Alors, je peux te dire que ça va tracer sec à Leclerc. Pff. 15h41. Je suis carrément dans les temps. Je vais vous montrer avant que je n'oublie l'herbe à chat, je vais lui montrer en plus, il vient de se lever. Je vais vous montrer, il va peut-être me faire mentir, hein. Peut-être qu'il va s'en foutre. Il va pas retirer ses chaussures en vloguant. Attendez, je vous pose. Ah, il a déjà repéré, tu attends. Ça c'est sac à caca, très pratique pour la litière qui est en extérieur. C'est pour qui ça? C'est pour le bébé. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah tiens, je le mets là en attendant, pas la peine de le poser. C'est pour qui ça? T'es content, hein? C'est bio en plus. Ouais, je pense que tu t'en fous. C'est vraiment excellent ça, hein. Ça les aide à se purger. Ils régurgitent, ça enlève toutes les petites bouloches, enfin les poils, d'autant plus que là il a fait tout, il a enlevé tout son poil d'hiver. Je le coiffe pas mal. C'est bien. Vous entendez? Il ronfle là. J'aurais fait que ça aujourd'hui, quoi. Faire des petites courses. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc ça c'est bien. J'ai oublié la litière dans la voiture. J'y retournerai tout à l'heure. C'est pas pressé en attendant, les gars. Qu'est-ce que j'ai repris? Tiens, j'ai repris ça. C'est complet, c'est les muffins pour le matin. Ils sont pas mal, hein. Ça, c'est pour le petit-déj d'Eric. Ça, bon, j'ai repris ça. Ça me dépanne aussi de temps en temps. Ah, je suis contente. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir faire mon petit melon avec. Je me suis pris deux comme ça. Couleur classique, couleur un petit peu plus pastel. Mais c'est utilisé de fou, ça. Je lui ai repris Saint-Hubert. Bon, c'est toujours un débat. Saint-Hubert, margarine, c'est pas ouf. Le beurre, c'est mieux, mais en toute petite quantité. Mais le Saint-Hubert, c'est ce qu'il y a de mieux dans les margarines. On s'y perd, les amis, on s'y perd. Des petites recharges de ça. Ah! Et ça, vous savez quoi? Ça me met en joie, vous n'imaginez même pas. C'est devenu une drogue. Par contre, ça coûte. À force, ça coûte cher. 2,40€. Hein. La grenade. Je les mets au frais, moi. Leur pain nordique que j'ai fait trancher. Excellent au four avec un petit peu de chabroux. Et puis le biphasé démaquillant. Attends, je vais quand même mettre ça au frais, ça. Il y a quoi d'autre qui craint? Non, ça va. Oui, pour en revenir à ce que je vous disais concernant le fait d'avoir l'impression de faire que payer beaucoup plus qu'avant, c'est du délire.
Et il y a aussi ce côté de voir, par exemple, voilà, la poste, donc ça a augmenté, je parle de mes box, la poste, les fournisseurs, le papier de soie, le machin, tu payes. La poste, que je paye quand même, je paye cher tous les mois quand même, hein, je paye entre 1500 et 1000, je donne entre 1500 et 2000 euros à la poste. Autant dire que je crée un emploi quand même. Bah, parfois, ils ne sont pas foutus de correctement faire les choses. Je paye une prestation haut de gamme et du coup, je me casse la tête à appeler, donc à machin, à les démarches. Déjà, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, ça me fatigue parce que je m'énerve. Et une perte d'argent. C'est dingue. Donc, il y a tout ça. Mon site aussi qui a augmenté, enfin, le prestataire qui s'occupe de ça. Tout. Ça tire de partout. Toi, t'es là, tu fais ton taf, tu te machin. Pour au final te dire, mais. C'est. Enfin bon. C'est épuisant. Pensez à boire. Même si vous n'avez pas soif. Là, pour le coup, j'ai très soif. Bon, c'est pas grave. Il y a aussi des choses très cool. Très, très cool. Par contre, 15h48, je vous l'ai dit ou pas? J'ai géré, hein. 15h48, j'avais dit au max 16h. Je pars. Enfin, je monte. Faire le montage de ce vlog, miniature, tout ça, parce que là il y en a pour. Je vais être juste. Hein. Je me suis avancée, mais il me reste au moins. Ah, s'il me reste 2 heures, c'est un peu chaud. Bon, on va dire qu'il faut que je fasse ça en 1h30. 1h20 même. 1h10. On se revoit. Attendez, laissez-moi juste réfléchir un instant. Déjà pour calibrer, me dire nous sommes gymnastique vendredi, ce qui veut dire qu'on se retrouve dimanche 18h. Je vous embrasse. Ciao.